Bonjour. Dans cette séquence vidéo, nous allons continuer la solution du sujet d'examen que nous avons entamé dans la dernière séance. Ici, on est à l'exercice numéro 2. Donc, aussi, c'est des questions comme le premier théorique. Donc, la première question, il vous demande de convertir en décimale, octale, hexadécimale, le nombre binaire suivant. Donc, on va convertir ça en décimale, ensuite en octale, ensuite en hexadécimale. Donc, pour convertir ça en décimale, il y a, ici, on écrit le nombre. Je vais écrire le nombre ici, on ne l'aime pas. Donc, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Donc, voilà le nombre. Donc, chaque chiffre, il possède un poids. Donc si je vais ici, donc ce chiffre-là, c'est le poids 0, et ici c'est le poids 1, ici c'est le poids 2, ici c'est le poids 3, ici c'est le poids 4, ici c'est le poids 5, ici c'est le poids 6, ici c'est le poids 7. Ici, c'est le point 8 et à la fin, le point 9. Donc, nous avons notre chiffre composé de 10 chiffres. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, chaque chiffre binaire, soit 0, soit 1, il possède un poids. Donc, le premier chiffre à droite, c'est le poids le plus faible. Donc, ce nombre-là égale à 1 fois 2 à la puissance 0. Donc, ici, je ne peux pas faire la puissance, je vais faire le chapeau. Plus 0 fois 2 à la puissance 0. Donc ici, ça va être 0. Plus 1 fois 2 à la puissance 2. Et ainsi de suite. Plus. Donc on est dans ce 1-là. Maintenant, c'est 3, le poids 3. C'est un 1 aussi. 1 fois 2 à la puissance 3. Un fois 2 à la puissance 4, et ainsi de suite. À la puissance 6, pardon. Je vais sauter la ligne. 0 fois 2 à la puissance 7, 0 fois 2 à la puissance 8. Et à la fin, 1 fois 2 à la puissance 9. Donc, en réalité, il y a une technique simple pour connaître les 2 à la puissance k, quel que soit k. Donc ça sera mieux de faire. En réalité, on dessine un tableau. Donc on peut faire un petit tableau. Donc, pour chaque k, donc ici, c'est les valeurs de k. Je vais commencer à droite. Ici, c'est 2 à la puissance k. Donc pour chaque cas, si je prends, pardon, ici c'est cas. Donc pour chaque cas, par exemple, je prends le cas de 1, de 0. Le cas de 1. Le cas de 2. Le cas de 3. Le cas de 4. Le cas de 5. Je peux continuer 6, 7, 8, 9. Je vais m'arrêter à 9 puisque notre chiffre s'arrête à 9. Vous pouvez continuer jusqu'à 10, etc. Donc ça dépend. Donc ici, je vais décaler. Je pense que c'est ça qui n'est pas décalé. Voilà. Donc ici, 2 à la puissance 4. Donc si k égale à 0, 2 à la puissance k, c'est 1. 2 à la puissance 0. Après, fois 2, c'est 2. Fois 2, c'est 4. 2 fois 2. 2 à la puissance 3, c'est 4 fois 2, c'est 8. 2 à la puissance 4, c'est 8 fois 2, c'est 16. Donc il suffit de multiplier le dernier fois 2, on trouve la puissance suivante. 16 fois 2, on trouve 2 à la puissance 5, c'est 32. Ensuite, 64. Ensuite, nous aurons 128 dans la puissance 7. Dans la puissance 9, c'est 256 à la fin, 512. Et 2 à la puissance 10, c'est 1024.
Donc, ce 1024, ce 1024, il a un sens en espace mémoire. On va arriver à ça dans la question numéro 2. On va arriver à 1024. Donc, c'est l'unité de conversion entre octets, kilo-octets, etc. Voilà. Donc, en connaissant ces chiffres-là, ça permet de remplacer dans la formule précédente. Donc, 2 à la puissance 0, donc je peux remplacer ici. Donc 2 à la puissance 0, c'est 1. 1 fois 2 à la puissance 0, c'est 1 plus 0. 2 à la puissance 2, c'est 4. 2 à la puissance 3, c'est 8. 2 à la puissance 4, c'est 16. 2 à la puissance 5, il n'y a pas. 2 à la puissance 6, je viens ici dans ce tableau, c'est 64. 2 à la puissance 7, il n'y a pas. 2 à la puissance 8, il n'y a pas puisque c'est 0. 2 à la puissance 9, c'est 512. Et on fait la somme. Donc ça devient ici 12, 13, 13, 29. Donc jusqu'à ça, c'est 29. Donc ici, c'est 507, 6, 576. Donc 2 plus 4, c'est 6. 1 plus 6, c'est 7. Et 5. Maintenant, égal. Donc 29. Donc 9 plus 6, c'est 15. 7 plus 2, c'est 9. 10 et 605. Donc égal à 605. Donc j'espère que je n'ai pas fait d'erreur. Voilà. Donc c'est ça la conversion en décimale. Donc 1, 1, 1 en base 2. Donc je ne peux pas l'écrire correctement ici. Ça en base 2 égale à 605 en base 10. Donc, il faut écrire ici entre parenthèses 2 comme un 10, et ici 605, vous pouvez le faire entre parenthèses avec 10, ou bien vous laissez comme ça. Donc ça, c'est la première conversion. La deuxième conversion, c'est en octal. Donc ça c'est la première question vers le décimal. Voilà. Maintenant, la conversion vers l'octal. Donc, pour l'octal, on fait le tableau de correspondance. Vous pouvez apprendre le tableau de correspondance du base 8 vers base 2. Chaque chiffre octal correspond à trois chiffres de base 2. Pourquoi? Tout simplement à cause de l'équation. À cause de l'équation 8 égale 2 à la puissance 3. Donc, puisque 8 égale 2 à la puissance 3, donc chaque chiffre octal est représenté par trois chiffres binaires. Et vice-versa. Ça veut dire que chaque trois chiffres binaires peuvent être remplacés par un chiffre octal. Donc, on prend la base 8. Donc, je vais commencer par la base 8 ici. Et je vais voir son correspondant en base 2. En base 8, nous avons les chiffres suivants. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, de 0 jusqu'à 7. De 0 jusqu'à base moins 1. Donc 0, il sera représenté par 3 0 en base, pardon, 3 0 en base 2. Donc je vais faire copier-coller et je remplace. Pardon. Voilà. Donc ici, 1, c'est 0 plus 1. Maintenant, 1 plus 1 égale à 1 0, égale à 10, on peut dire ça, c'est 1 0. Donc ici, c'est 11. Ici, c'est 100. Ici, c'est 101. Ici, c'est 100. En 10 et ici c'est 111. Voilà, cette correspondance est très importante. Ça nous permet de gagner du temps à convertir. Au lieu d'utiliser la base 10 comme base intermédiaire, on va prendre le chiffre binaire et on va le séparer à des blocs de trois chiffres en commençant par le chiffre du poids faible, ça veut dire à droite. Donc on prend les premiers trois chiffres, on va faire la segmentation. C'est-à-dire, on va découper le chiffre en trois chiffres. Si il reste moins que 3, donc ajouter des zéros à gauche, au poids fort, ça n'influence pas le résultat. Donc, on a découpé cette séquence binaire en trois chiffres. Maintenant, voilà, donc le premier trois chiffres, donc 1, 1, 0, donc 1, 1, 0, 0, 1, 1, donc 0, 0, 1, pardon, c'est 1. Ici, on aura 1. Et ici, 0, 0, 1. La même chose, c'est 1. Ensuite, 1, 1, 0, c'est 3, la correspondance. Et à la fin, c'est 6. Voilà. Ça veut dire que
cette séquence binaire égale à 1, 1, 3, 6 en octal. Voilà, ça répond à la deuxième question. La deuxième conversion. La troisième conversion vers le hexadécimal, c'est la même idée. On va faire copier ça et on va modifier. Donc, c'est la même idée que tout à l'heure. Donc, pourquoi? Tout simplement, l'équation entre les deux bases hexadécimales et binaires, elle reste valable, sauf que ici, 16 égale 2 à la puissance 4. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque chiffre hexadécimal, il est remplacé par 4 chiffres binaires. Donc, je vais ajouter des zéros pour les premiers. De 0 jusqu'à 7, je vais ajouter des zéros à gauche pour ne pas influencer le résultat. Voilà. Donc, chaque chiffre hexadécimal est remplacé par 4 chiffres octal. On continue les chiffres hexadécimales. En base 16, il y a 16 chiffres, de 0 jusqu'à F. Donc, de 0 jusqu'à 9, ensuite A, B, etc. Donc, ici 8, 9, donc ici A qui est égal à 10, B qui est égal à 11, etc. C, D, E et F. Voilà. Je vais faire copier-coller ici. Ici, ça va être modifié. Voilà. Et je vais remplacer les chiffres. Donc, à partir de 7, ici, on aura ici 10 000. En réalité, on a pu être plus optimal dans le copiage. Donc, ici, c'est 1001. Ici, c'est 1000, 1010, on peut dire. 10, 10. Et ici, c'est 10, 11. Ici, c'est 10 100. Voilà, pardon, j'ai fait une erreur. Voilà. Et ici, voilà. Et à la fin, très bien. Donc, cette correspondance aussi, ça nous permet de gagner du temps à faire la conversion. Donc, c'est la même idée. On va couper, on va découper, on va segmenter le chiffre binaire en segments de 4 chiffres en commençant du point faible, ça veut dire à droite. Donc, les premiers 4. Les seconds 4, pardon, et voilà. Donc ici, on peut faire l'égalité. Donc 10, on peut ajouter 2 zéros ici. Donc 0, 0, 10, c'est 2 ici. Donc 0, 1, 0, 1, donc c'est 101. Donc c'est, je suppose, c'est 5, voilà. C'est 5. Et 11, 0, 1, c'est D. Ça veut dire égal à 2, 5, D. Voilà, très bien. Donc ça, c'est la première question. Donc on a répondu à la première question. Là, maintenant, on passe à la deuxième question. La deuxième question, il vous demande de traduire le nombre à 64 kilo-octets en octets. Donc ici, vous devez connaître les unités de mesure de données, de quantité de données, de masse de données. Donc nous avons la première mesure, c'est le bit. Donc c'est l'information élémentaire. C'est l'information élémentaire. Donc l'information élémentaire, c'est soit 0 ou bien 1. Donc un chiffre de 0 ou bien 1, ça s'appelle un bit. Maintenant, 8 bits, ça va donner un octet. Donc ça va donner un octet. 1 kilo-octet, 1 kilo-octet égale à 2 à la puissance 10. Voilà, on revient, pardon, à 2 à la puissance 10. On revient la notion de puissance. Revenons à la remarque tout à l'heure, 2 à la puissance 10 égale à 1024. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 1 kilo-octet égale à 1024 octets. 1 mégaoctet égale 2 à la puissance 10 octets. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, pardon, kilooctets. 2 à la puissance 10, kilooctets. Donc, qui égale à 1024 kilooctets. C'est très important. Donc, 1 gigaoctet égale 2 à la puissance 10 mégaoctets. Pardon. Qui est égal à 1024 mégaoctets, bien sûr.
Voilà. Donc, nous, ici, nous devons utiliser celle du kilo-octet vers l'octet. Donc, voilà. Pour répondre à la question, 64 kilo-octets égale à 1024 fois 64. OK? Donc, ici, la calculatrice, elle est interdite. Donc, vous devez utiliser le brouillon. Donc, il faut éviter de. On va essayer de le faire comme ça. Donc, avec la méthode, l'ancienne méthode. Donc, je vais décaler puisqu'il y aura un décalage au niveau de l'écriture. Pardon. Voilà. OK. Donc, égal. Donc 4 fois 4, c'est 16. Donc on va faire les choses comme à la base. Donc 4 fois 4, c'est 16. Donc ici, on va retenir 2. 4 fois 2, c'est 8. Et le retenu, c'est 9. Et 4 fois 0, c'est 0. 4 fois 10, c'est 40. Donc ici, c'est 40. Ça, c'est le premier. Maintenant, 6. 6 fois 4, c'est 24. On va retenir 2. Donc ici, 0, c'est 20. 6 fois 0, 6 fois 1, ah pardon, 6 fois, pardon, hein, je m'excuse, 6 fois 2, c'est 12. On va retenir 1, 6 fois 0, et le retenu c'est 1, et 6 fois 1. Donc on fait la somme. Donc ici c'est 6. Ici, 4 et 9, c'est 13. 13. Ici, c'est 3. 1 et 2 et 2. 4 et 1, c'est 5. Et 6. Donc, ça veut dire 64 kilo-octets égale à 65 333, 336, pardon, octets. Voilà. Donc, voilà la conversion. Donc, troisième question. Il vous demande de évaluer l'expression R. Il vous demande d'évaluer l'expression R qui est égale à A plus B sur C plus D divisé par A plus B divisé par 4 sur B plus C. Donc ici, il vous demande de faire l'évaluation de cette expression avec A égale à 3, B égale à 2, C égale à 4, ainsi que D égale à 5,5. Très bien. Je vais agrandir ici et on va revenir. Donc ici, ils vont demander de faire l'évaluation en indiquant l'ordre d'évaluation des opérations. Donc ici, vous devez connaître la priorité, les niveaux de priorité des opérations. Donc pour les niveaux de priorité, vous avez vu en cours. Donc ça, c'est juste un rappel. Donc vous avez le premier niveau, c'est quoi? C'est les parenthèses. On commence toujours par les parenthèses. Deuxième niveau, c'est les équations. Pardon, les fonctions. L'appel aux fonctions, comme SQR, SQRT, ABS, etc., etc. Les fonctions prédéfinies. Troisième chose, les fonctions mathématiques. C'est les fonctions mathématiques. Arithmétiques, mathématiques, voilà. Troisième niveau, c'est les opérateurs unaires. Comme le moins unaire, le note. Quatrième niveau, c'est la multiplication, la division, le AND, le DIV, le MOD, etc. Donc le DIV, c'est la division entière. Le MOD, c'est la race division. Donc je vais faire le AND ici. Le AND, voilà. Cinquième niveau, vous avez, c'est l'addition, la soustraction, le OR. Le sixième niveau, le dernier niveau, c'est les opérateurs relationnels ou bien de comparaison. Relationnel, comparaison. Donc vous avez inférieur, supérieur, inférieur ou égal, supérieur ou égal, différent et égal. Donc voilà. Donc ces différents niveaux, c'est très important. Donc ici, vous remarquez ici qu'il n'y a pas d'opérateur AND et OR. Donc le AND et le OR et le NOT, c'est des opérateurs binaires, c'est des opérateurs logiques.
ça donne true, c'est pour les valeurs true et false. Et la comparaison aussi, ça donne un résultat booléen. La comparaison entre deux nombres, par exemple, x et y. Si je fais x inférieur à y, ça donne soit vrai, soit faux. Donc, ça donne un résultat booléen. Donc, vous remarquez dans l'expression, il n'y a pas de inférieur, supérieur, opérateur, not, or, and. Donc, ça, ce n'est pas une expression booléenne. Donc, ça va donner un résultat numérique. C'est une expression arithmétique. D'accord. Donc, ici, en appliquant les règles, donc on va commencer par les parenthèses. Donc, ici, il y a trois parenthèses. Il y a la première parenthèse, la deuxième parenthèse et la troisième parenthèse. Il n'y a pas de parenthèse interne, c'est des parenthèses du même niveau. Dans ce cas-là, si vous avez deux choses qui ont le même niveau de priorité, on commence par celle à gauche. Donc, la zone la plus prioritaire, donc on va commencer par cette zone, ça c'est 1. Par la suite, ça c'est 2. Par la suite, ça c'est 3. À l'intérieur de 1, ça veut dire à l'intérieur du première parenthèse, il y a deux opérations, la division et l'addition. Excusez-moi, je vais vérifier l'expression. Voilà, je pense, j'ai pas fait d'erreur. Très bien. Ok, donc ici il y a la division, l'addition. Donc en appliquant aussi les règles, on va trouver que la division est prioritaire. Donc la première opération, je vais réécrire. Il y a plusieurs façons. On peut réécrire l'expression en remplaçant les valeurs. On peut faire ça. A c'est 3, B c'est 2, C c'est 4, D c'est 5,5, A c'est 3, B c'est 2, à la fin B c'est 2 aussi, et C c'est 4. Voilà. On a réécrit l'expression, on a réécrit l'expression en remplaçant les variables par leurs valeurs. Donc ici, la première opération, c'est celle-là. Ça, c'est 1. Donc je vais faire des espaces pour aérer, pour pouvoir numéroter les opérations. Donc ça, c'est 1. Je vais faire un espace ici pour l'addition, pour ne pas mélanger l'ordre de l'opération avec les valeurs. Donc ça, c'est 1. Et ça, c'est 2. C'est la deuxième opération qu'il faut réaliser. Donc l'addition, c'est la deuxième opération. La division, c'est la première. Et l'addition, c'est la deuxième. Ça, c'est le premier parenthèse. Maintenant, on saute aux deuxième parenthèse. C'est-à-dire, ce qu'il y a dans la deuxième parenthèse, ça vient après. Donc ici, c'est la troisième opération. Par la suite, la quatrième opération, c'est comme la première. Il y a une division, il y a une addition. Donc ici, la division est prioritaire. Ça, c'est quatrième opération. Et ça, c'est cinquième opération. Voilà. Très bien. Maintenant, on a terminé les parenthèses. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Ça devient l'expression 3 plus le résultat de ça, plus division par 3, par le résultat de 3, divisé par le résultat de 4. Donc, il y a deux divisions qui restent, plus une addition. Donc les divisions sont prioritaires. Et ici, il y a deux divisions. On va faire celle qui est à gauche. Ils sont dans le même niveau de priorité. Donc on va utiliser celle qui est à gauche. Donc ici, c'est 6. Et ici, c'est 7. Voilà. Ça a décalé un peu. Très bien. Maintenant, il reste la première addition. Ici, c'est la dernière opération, c'est la huitième. Donc, il faut compter le nombre d'opérations qui existent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 opérations à exécuter, donc on doit avoir 8 ordres. Donc, on doit avoir 8 ordres pour l'exécution. Donc, ici, en appliquant l'évaluation, ça devient l'expression. On va appliquer cet ordre-là. Donc 3 plus, donc on applique le 1, 2 sur 4 c'est 0,5, plus 5,5. Chaque étape, on applique, et on applique une, on applique une opération. Donc ici, on applique la première. Donc je vais faire copier-coller pour ne pas perdre du temps. Très bien. On a appliqué la première opération. Maintenant, on va faire la même chose en appliquant la deuxième opération. Ça veut dire quoi la deuxième opération? C'est l'addition. Donc 0,5 plus 5, ça devient 6. Donc je remplace ça avec 6. Après, on applique la troisième opération. C'est quoi la troisième opération? C'est 3 plus 2. Donc je remplace 3 par plus 2 avec son résultat, c'est 5. Après, on applique la quatrième opération.
C'est 4 sur 2. 4 sur 2, ça devient 2 virgule, ça devient 2, pardon. Ensuite, la cinquième opération, c'est 2 plus 4, ça devient 6. Maintenant, il n'y a plus de parenthèse, donc il y a une addition, une division. Donc, c'est la première division qu'on doit faire. C'est le sixième. C'est la sixième opération qu'il faut faire. Donc, c'est 6 sur 5. Donc, c'est combien 6 sur 5? 6 sur 5, ça devient donc 1,2, je suppose. Voilà, c'est 1,2. Après, on va faire l'autre division. Donc ici, je n'ai pas fait d'erreur dans l'expression, je suppose. C'est A plus 1. C'est A plus 1. Ici. Ici, c'est A plus 1, pardon. Donc j'ai fait une erreur. A plus 1, ça devient 4. Donc il faut faire attention. Ça me paraît bizarre, 1 sur 2. Donc 6 sur 4. Ok, 6 sur 4, ça devient 1,25. C'est ça? 1,5. Pardon, c'est 1,5. Donc 1,25, oui, c'est 1,5. Et la dernière, c'est 4 sur B. 4 sur B qui égale à 2. B égale à 2, je suppose. Oui. Voilà. 4 sur B plus C. C, c'est combien? C'est 4. Très bien. 4 sur 2, c'est 6. Et l'opération qui sont entre les deux, c'est une division aussi. C'est un peu bizarre, 1,5 sur 6. D'accord. 1,5 sur 6. Donc, on va faire 15 sur 6. Donc, on va faire tout d'abord sa division. Donc, on va faire quoi? On va faire 3 plus 15 sur 6. Donc, 15 sur 6, c'est 2, 2, 3, 2,5. Ça devient 0,25. Je suppose que c'est correct. Donc, 15 sur 6, c'est combien? 15 sur 6, c'est 2. 2, le reste 3. 2 sur 6, 2 fois 6 c'est 12, 5 moins 12, 3. 3 sur 6, donc 30 sur 6 c'est 2,5. Divisé par 2,25, je suppose que c'est comme ça, égal à 3,25. Donc c'est ça le résultat. Donc ici c'est très important, il faut avoir le résultat correct et l'ordre correct. Donc si vous avez l'ordre correct et le résultat faux, vous allez avoir la moitié de la note de la question. Et si vous avez le résultat faux, vous allez avoir faux malgré quel que soit le résultat. Donc l'ordre est. En premier, on voit l'ordre. Si c'est correct, on passe à le résultat. Donc, si vous avez l'ordre correct, vous avez déjà la moitié. Si vous avez le résultat correct, vous allez avoir l'ordre correct. Donc, il faut se concentrer à faire les calculs. Très bien, on a terminé cette question. Maintenant, on passe à la question suivante. La question suivante, c'est l'expression. Comment exprimer ça en Pascal? Donc, ici, il faut revoir l'exercice concernant les expressions. C'est très important d'exprimer les expressions arithmétiques. Donc soit arithmétique, soit logique en Pascal. Donc en Pascal ou bien dans n'importe quel langage de programmation et en algorithmique, en général, on utilise l'expression linéaire. Donc ici, l'expression, ça devient comment? Ça devient log de x plus le carré de x, sqr ou bien x fois x. Tout ça, donc on doit les mettre entre parenthèses, tout ça est divisé par, pardon, fin, est divisé par. Divisé par, j'ouvre une autre parenthèse, ça c'est le dénominateur, c'est 1 plus log x, ok, multiplié par, donc la multiplication il faut faire étoile, donc il ne faut pas faire espace, multiplié par la racine carrée, sqrt, je vais agrandir un petit peu, sqrt de 1 plus carré à la puissance 3. Donc ici nous n'avons pas la puissance 3, donc la racine carrée du cube. Le cube, on n'a pas une fonction qui fait le cube en Pascal. Soit on fait le carré multiplié par 1 plus carré, par exemple comme ça, sqr de 1 plus sqr de x. Voilà, ça c'est le carré de 1 plus x carré multiplié par 1 plus x carré. Ça veut dire, c'est le carré. C'est le carré d'un nombre fois ce nombre. Ça devient le cube. Donc ça, c'est une solution. Ou bien, en utilisant
en utilisant, voilà l'expression, donc en utilisant la règle que nous avons vue. Donc x à la puissance k, à la puissance k, comment on va le convertir? On le convertit par l'exponentielle de k fois ln de x. Donc exponentielle de k fois ln de x, ça s'appelle, ça va donner x à la puissance k. Donc on peut faire ça ici. Donc le cube de 1 plus sqr de x cube, ça devient l'exponentielle. Voilà, ça c'est la parenthèse de l'exponentielle. Attention en parenthèse, 3 multiplié par ln de ça. Donc voilà, je suppose que je n'ai pas fait d'erreur au niveau de parenthèse. Ça c'est la parenthèse fermante, ça c'est la parenthèse. Donc j'ai oublié une parenthèse apparemment. Ça c'est l'exponentielle, ça c'est le ln, ça c'est le sqr, ça c'est l'exponentielle, ça c'est le sqr. Donc je dois ajouter une parenthèse pour le dénominateur. Donc nombre de parenthèses ouvrantes égale nombre de parenthèses fermées. Ici c'est bien. Donc voilà. Donc il faut faire très très attention. Donc vous avez le choix d'utiliser soit ça pour la puissance, ou bien vous utilisez le carré fois, ou bien x fois x fois x, ça donne x cube. Ça veut dire 1 plus sqr de x fois 1 plus sqr de x fois sqr de x. Tout ça dans la racine de sqr. Donc c'est pour répondre à cette question. Donc j'espère bien que vous avez compris. S'il y a des questions, vous n'hésitez pas à commenter la séquence vidéo. La prochaine séquence, on va traiter l'exercice numéro 3. Qui est l'algorithmique ou bien la correction du programme, etc., le déroulement et la déduction du résultat. À la fin aussi, le dernier exercice, c'est pour répondre à une question d'algorithmique et du Pascal. Donc, bon courage et travaillez bien.